Bon. Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un petit peu de Dauntless. On va farmer, on va s'entraîner sur Pangar en particulier. Et voilà, et on est avec Evil Grizzly. Salut! Alias Varlukuma. Welcome! Qui veut dire Evil Grizzly en japonais? Tout ça Oui, quoi. cette classe internationale quand même. Putain, le mec il est Multilingue, tout bilingue et tout quoi. ça. Putain, je pèse beaucoup trop dans ce game. Dans le pseudo-game. Et on va tout de suite lancer. Alors il reste plus que un jour, hein. Après il y a une rotation. Ah bah écoute, Volte. Et il n'y aura plus comme tu veux. Pangar d'ailleurs. Il n'y aura plus Pangar à partir de demain. Donc c'est peut-être une bonne idée quand Bon même bah de le allez. farmer. Il y aura un Berman? Ouais. Oui. En Berman, il reste 8 jours. Bon bah go Pangar alors. Hein. Pangar, que nous deux? Comme tu veux. Comme tu sens. Et je sais pas. On va en tenter une avec des gens et on verra. Si ça se passe En fait, mal. je sais pas ce qui est le plus. Ce qui est le plus safe, tu vois. Vu que je le maîtrise pas du tout, je sais pas si à deux ça va être utile. Mais à un moment, faut y aller, hein. Moi, j'essaie de me faire une petite partie en solo contre Pangar, juste pour voir, pour essayer de comprendre ses timings Ouais. de stun là. C'est tendu du slip, quoi. Faut aussi apprendre les patterns, voir bien détecter les mouvements du boss pour anticiper ce qu'il va faire et tout. It is pas facile. Il faut avoir du skill, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis perdu, tu vois. Moi, les skills, c'est pas ma zone de confort. Qu'est-ce que c'est que ce stuff moche là que tu as? Non, c'est le stuff où j'ai le plus de distance, c'est pour voir. Ah, combien tu montais? Ouais, je suis 329. Voilà, un vrai stuff pas moche. Je suis en full Pangar d'ailleurs. Ça y est, un full Ah ouais, déjà. Frostpack. Et Ah, remarque, moi j'ai aussi, je pas un tout pense. quoi. Moi aussi, ouais. J'ai les die et tout quoi. Ah oui, tu as mis en blanc. Ouais. Couleur neige, Bon écoute. genre je suis furtif et tout, quoi. Exactement, camouflage, tout ça. Comme ça, Pangar il me voit pas et hop, je le feinte et tout. Et je le défonce. Non, c'est pour me permettre de le distinguer de mon stuff de Frostback, de Pangar de base. Puisqu'ils ont les mêmes couleurs, je voulais au moins mettre une couleur pour le distinguer, quoi. Tout à fait. Focus tail, please. Et ben Comme on va bas. faire ce qu'on peut. Voilà. Je n'ai que ça à dire. Alors, j'ai craqué des ronds, ça y est. Ah, ça y est, t'as acheté quoi du coup? Ben, j'ai acheté l'arrivée marteau là. La descente de airship Ah en là feu. là, le kéké. Attention, je vais pouvoir crâner et On tout va en voir live. ça, on va voir le kéké tout de suite. Et j'ai acheté des couleurs. Quasiment toutes les couleurs d'ailleurs. Ah ouais. Que des pas grand chose. Ouais. Faut que je regarde Oh, j'ai justement. mis 12 $, 12 € là j'ai mis. Ouais, t'as pris le pack à 300. C'est quoi 300? Genre l'arrivée du kéké. T'as vu un petit peu quoi. Ça fait genre je suis un PGM. Les mecs ils y croient à fond. Et en fait non. Et en fait je suis mauvais. Voilà, j'ai pas vu le staff des mecs. Bon, Argosus, ça a l'air pas mal là. Il a des petites ailes Il a donc déjà. l'air équipé là, hein, alors monsieur. Alors. Toulouloum. Bon, j'ai pas envie d'aller farmer là, je vais me concentrer sur le boss, hein. Je vais pas commencer à aller faire mon shopping. En général, ça démarre toujours au même endroit. Ça démarre toujours là-bas. Est-ce que tu as testé la potion du le Life Drain Tonic? Non, pas encore. Parce qu'ils en filaient 3 dans une quête Ouais. qu'on a fait il y a longtemps. Du coup, j'ai envie de les essayer. Le but, c'est que d'après le descriptif, La vie à tout le monde. ça rend 8% De tes dégâts de à tout le vie, monde. 8% de tes dégâts en vie à tout le monde pendant 30 secondes. Donc c'est court. Hein. 30 Ouais. secondes à la masse, tu fais deux combos quoi. Faut le faire pendant une phase de burst, quoi. Pendant une phase de, ouais, quand il y a un stun ou quoi. Ouais, voilà. Allez les gens. Ils sont partis farmer. Ouais, ça fait un peu de shopping. J'avais pas vu qu'il y avait des traces dans la neige, tiens. J'ai jamais fait Ouais, gaffe. c'est vrai, ouais. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a
que les siennes. Et que tes propres traces. C'est Ah, vrai. la merde nous a vu. Ah bon? Comment qu'on fait les cons? C'est sûr parce que du coup Bah, il y a la non, je musique l'ai qui pas s'est vu. lancée en tout cas donc. Ah, j'ai pas mis la musique pour le coup. Ah, tu t'es barré? Oh la vache. Ah bah, ils y sont les gars. Moi je t'avais suivi et tout et en fait. Non! Je suis tombé. Tombé dans le Je vide. suis tombé comme une merde. Le plot. C'était tout calculé, c'était pour me repositionner en fait. C'est parti. Ah merde. On attend toujours le stun là. Non! Il est pas censé faire deux fois la même jambe. Si, si, c'est aléatoire. Si tout le monde est sur une jambe, il fera tout quand même. Il fait juste la jambe où il y a des gens en fait. Donc c'est cette roulette que tout le monde peut stun. Hein. D'accord. Petite roulade. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Charge. Entre l'autre, il a dit que, mais je veux bien, mais c'est un peu compliqué là. C'est ça. En fait, je crois que prends garde, tu fais juste comme tu peux quoi. Donc, moi, la masse, la queue, j'aime tant te dire que. Déjà, moi, j'arrive pas à... Ah, tu me bloques. On est ultra mal placé, hein. Ils sont où les comiques là? En fait, ils sont loin, ils nous attendent quoi. T'as vu? Ouais, je vois ce qu'ils font. Bah, reviens du coup. Il va bientôt être stun. Bah j'essaie de lui mettre dans la gueule là depuis tout à l'heure mais... Ah putain il s'est remis. Putain de mob de merde. Martha, Martha. Ouais, essaie de la tirer. D'accord, donc en fait les deux autres ils disent je reste loin et... Allez, c'est parti. Une petite potion. Ah merde, je la vois trop tôt. Faut dégager. Oh la vache. J'essaie de lui mettre mais... Bon, voilà, voilà. Ah, toujours le même. Non mais là je m'en fous, j'essaie de lui mettre des stuns donc... Je prends des risques que je dois pas prendre mais... Tu vois, des fois tu te mets en face de la roulade pour le bloquer sa. En face de lui pour bloquer sa roulade, puis il te met le coup de queue. Là, tu te fais juste défoncer la mouille, quoi. Ah merde. J'étais en ah, pleine. C'est 360. Ouais, j'étais en pleine roulade, je pensais pas que ça. Que ça passait. Putain, je sais jamais quand aller sur lui, tu vois. Maintenant.
Allez, sors de là, sors de là. C'est bon, je suis sorti. Il m'a sorti par la peau des couilles, ouais. Merde. C'est pathétique. En fait, tout le monde se fait ramasser, quoi. Oh non, bah, j'ai changé de roulade. Je l'ai eu. Bon, je l'ai eu, mais il en a rien à foutre, quoi, le mec. Non, je pense que tu l'as pas eu. Si, je l'ai eu. Non, quand tu l'as, il tombe vraiment pour de vrai, il est pas tombé. Ah oui, non, c'est vrai, dans la sido, il change pas. Tu sais que j'ai entendu le bruit. En fait, quand j'entends le bruit de mon pompe qui touche, j'ai l'impression que c'est là. Allez. Attention, la queue. Entre les deux roulades. La queue. Je sais pas pour ce qu'il allait faire la roulade là, mais. On a rien cassé hein, pour l'instant. Non. Roulade. Oh, j'étais en pleine roulade là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, mais non! Oh là là, troisième coup de queue, je me prends d'affilée. Alors, hein. Oh, trop chiant cette putain de queue à taper. C'est impossible, je peux pas la taper quoi. Ouais. En plus avec la masse, j'essaie de faire le combo qui va bien, mais... Allez viens, ramène-toi. Et merde. Bah moi j'ai pas essayé. Allez. Merde. Non, je suis mort. Une merde. Je peux pas le me reste avant le boston. Ah oh mais putain mais je roule au travers et ça me... je comprends pas. Sérieux, ça l'a fait partir. Je suis déception là. Ouais, qui le dis-tu? Pourquoi il faut les casser ces trucs là? On se calme avec les coups de queue. Non. Putain, maintenant je mets un coup, je me bats.
J'étais un peu trop chaud là. J'étais un peu en mode bon bah il bouge plus, vas-y, hein, je spam. Allez, se barre. Bon. Alors, attends, parce que la dernière je l'ai pas eu. Allez, là. Alors. Ah, il y en a une là aussi, tiens. J'ai pas vu ça. On a eu pas mal de trucs là. De violettes, ouais, je crois. Un peu partout qui sont tombés. J'ai pas eu de violettes, moi, par contre. Ah bah tu vois, les deux premières que j'ai vu tomber, moi, c'était deux violettes. J'ai vu trois bleus. Et après, c'est des bleus, je crois. Oui. Après, j'ai vu trois violettes. Non, deux violettes et deux bleus, je crois. Moi, j'ai eu trois bleus, je crois. Je vois pas de violettes, tu vois. Bon. Ouais, moi, je te dis, hein, je suis pas sûr qu'on goûte les mêmes trucs à chaque fois dans une même équipe. Ils sont juste là. Ouais, je vais arriver par les airs. Je prends une petite saucée. Hop. Ah, il y en a un qui a pris cher. Tiens, mange-toi ça. Voilà, c'était juste. Ouais, ah, bah pas pour toi. C'était trop juste pour moi. Tu me restes avec moins de vie, s'il te plaît. Je fais ce que je peux. Non! Cette virilité. T'as vu un peu? Non! Tiens, mets-toi ça. Non! Non! C'est bon, j'ai pas pris. Ah, c'est qui est mort. T'es où toi? Ah, t'es là-bas, ok. Wow! Alors, je vais ramasser les plantes avant qu'il meure. Tu veux ramasser les plantes? Oui, il y avait des plantes, donc je les ai ramassées. À go! Là, j'ose même plus approcher, quoi. Ah putain, le vieux bug, du coup, il a tourné sur place, quoi. Ah la vache. Ah la vie que j'ai, quoi. Ah non, c'était maintenant qu'il fallait taper. On est large. Je vais me prendre une petite rincée. Hop. Oh ta mère. Non! Putain, mais la masse, quoi! T'as jamais le droit d'escape avec la masse, hein! Allez, viens! On te défonce! Mais non! Je me connais. J'arrive pas du tout à analyser le mouvement de ce mob. Allez, vas-y, putain, j'étais en train de rouler, quoi. En plus, la plupart de ces parties sont impossibles à toucher, quoi. Genre, la tête, elle bouge tout le temps, la queue, je t'en parle pas, elle est trop en hauteur. Les pattes, elles se lèvent sur ta gueule. Oh non, je chie de ouf. Triple tap. Ouais, alors la triple tap de queue, surtout. Allez, bientôt stun. Je tape sur ma gueule. Attention à vous. Il est tout boiteux. Et voilà. Mais eh ben.
Tu C'est vraiment, manges, vraiment tu pas te brillant. défonces. C'est un petit C. Moi j'ai eu un gros E. Ah, le bon vieux E. Ah, je suis un slayer moi. Genre je l'ai damage. On l'a tous eu, je crois, non? Ce que je l'ai eu aussi, moi. Ah non, moi j'aurais dû avoir rien, tu vois. Genre une poignée de main, une médaille en chocolat, merci d'être passé, tu vois. On a eu, tu vois, j'ai eu deux trucs épiques. Un Polar Incisor et un Frosted Dead Plate. Bah moi j'ai rien vu. Donc clairement, on ne met pas les mêmes choses dans une équipe. Ce qui est C'est très très confirmé. nul. Tu vois là j'ai looté 3 plantes avant que... Je suis pas sûr que ça compte hein, de looter les plantes. Alors voilà. Je me demande si ça marche ou pas. En tout cas à l'époque où c'était tout buggé et que ça durait 3 heures, ça marchait pas. Bon. Je pense qu'avec la masse, il faut pas que j'essaye de faire des stuns, des trucs ou quoi comme avec Amberman. Lui, il faut que j'arrive, je mette un coup et je me barre. Si, bah t'as réussi à faire 2 stuns tranquille déjà. Là? Bah il y a eu 2 stuns. Bon, en enfin. Tout cas. Ouais, mais enfin, je suis mort 10 fois quoi. Ah, bon, ça c'est mon une autre question. Mon taux de réussite est assez faible, on va dire. On est plutôt dans le noob là, tu vois. On est dans la noobitude. Je te laisse. Alors, je regarde juste. Le stuff. Est-ce que. Je sais plus si j'ai fait ça en épée à lui. Dead Eye, Force Back. Ah, si, je l'ai faite, mais. J'ai pas le compo qu'il faut pour l'upgrader. Ok. Ah, attends, je peux l'upgrader. Et au niveau de l'armure. Je peux upgrader mon Frostback au niveau max. Max. Maximum power. Maximum power. Oh putain, non, il y a encore un niveau dessus. Oh, sans défaut. Ah, il y a pas un plus maximum 5. Power. Non. Ah, je suis même pas au max. Je suis au 4 sur 5. Ah non, j'ai pas créé ça. Bon, ça me fait quand même une masse à 358. C'est pas mal. Allez, on upgrade des trucs au pif, c'est parti, on s'en fout. Bon, je suis à combien là? Non, c'est pas ça, ça. 349, sérieusement. Ah ouais, je peux upgrader des trucs aussi. Alors attends. Tant quoi, je... le Frost Helm, tant par pis, je exemple. Lance. Non, non. Dépêche-toi, j'ai lancé. Ouais. Foiré. Ah non, t'es en train de... Quand t'es en Finding Hand, tu peux rien upgrader. Oh, t'es trop beau que j'upgrade tous mes pangars, tu vois. C'est... Foiré. Le Major Mac Vodka est avec nous. Et Leighton Ho. Leighton Ho, ho, ho. Qui ont un stuff de feu tous les deux. Donc, ça va bien se voilà, passer. Voilà, normal. Je pense que ça va bien se passer. All blend. Avec pas les bonnes armes et pas le bon stuff, on est tranquille. On va encore carry, hein, comme d'hab. On va espérer que c'est un bug graphique et qu'ils se sont changés. Moi j'y crois, perso j'y crois. Il faut avoir le believe. On est sur le stream du believe. On est des believers. Moi je dis, si les Mexicains l'ont fait, on peut le faire. T'en fais quoi les Mexicains? Ils viennent de battre l'Allemagne. Ah bah c'était le foot, c'est de la double foot. A battu les champions du monde. D'où t'as vu que j'avais regardé le match, toi? Ouais, je sais pas. Genre, je fais des choses de ma vie, moi, ok? Moi, on me dit le score et c'est bon, ça me suffit. Moi, j'ai regardé les matchs de la finale de la Pro League de Battle Drift. Voilà. Ça, ça c'est du bien. Vrai sport. Ça, c'est du vrai skill. Ça, c'est du vrai teamplay et tout. C'est pas juste des mecs qui tapent dans un ballon au pif et ça rentre dans la but, quoi. Donc, vous êtes aussi sur le stream de la mauvaise foi. J'aime pas le foot. Bon, moi je suis Major Mac Vodka parce que je me dis qu'un nom pareil c'est forcément un PGM. Mais de toute façon il est toujours au même endroit au début, hein, le boss. J'ai remarqué que sur cette map, 99% du temps on le trouve exactement au même endroit au début. Mais le mec n'a aucune originalité, je suis déçu quoi. Non mais je suis sérieusement bloqué par un book. Non mais le book c'est chiant, je sais pas pourquoi ils ont mis parce qu'ils non, servent mais... vraiment à rien du tout. Non, ce que je comprends pas c'est les bordels, les collisions on a, pourquoi? Pourquoi on se fait collisionner sur des trucs où on va pas être collisionné? Pourquoi les collisions entre teams et tout? Il a planté sa bannière là le mec. Je trouve pas de plante dans ce niveau de merde. Là.
Je vais me balader pour chercher un peu des plantes. Mais il y a juste que dalle. Bon, J'ai rien trouvé non plus. Trois pauvres plantes ici. Ouais, j'arrive, hein. Je vous vois de loin, là. Je vous supporte. Ah, les deux autres, oh là, les deux autres sont donnés un petit peu. Ça sent la grosse team. Oh, la charge qui m'a enlevé, genre, toute ma vie, quoi. Ça sent le pick-up de qualité. Ah, voilà, à mon avis, ne gaspille pas tes potions, hein. Oh, la vache. Ah bah ce n'est pas le pick-up qui me rend premier finalement. À la surprise générale. Non mais oh, la masse c'est horrible. La masse c'est horrible. Tu ne peux pas faire d'escape avec une masse, c'est juste. Si tu connais pas le boss par cœur, t'es obligé de mourir quoi. Non mais c'est vrai, hein, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Arrête de rager. C'est une arme très bien, mais tu n'as pas le droit à l'erreur sur la masse. Hop là. J'ai essayé de stade mais... Oh putain. Bah il t'a stun, c'est bon. Ouais. Comme j'y vois rien, je suis au cul du boss. Je suis con. Nanana. Toujours le même. Ouais, je suis vraiment mieux, mais je. c'est vraiment. Non, je suis sur la masse, c'est un boss que tu peux pas faire si tu connais pas par cœur. Je connais pas. Parce que tu ne peux pas. Il n'y a pas de réaction sur ce boss. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire. C'est pas, tu vois qu'il va faire un truc et hop, en réaction, tu fais ça. Ah, si. Soit tu sais. Non, non, pas la masse. Tu vois qu'il lève la patte, tu te barres. Tu peux pas à la masse, je te dis. Les coups sont très très longs. Les coups ont un startup mais... et un recover de. Tu sais que je peux pas interrupt un coup avec un. Une esquive, hein. Mes esquives ne cancellent pas mes coups, hein. Oh, il avance partout, ça merde. Oh, sérieux? Viens là, toi. Putain, à chaque fois que je lance ma lanterne, là, il se barre cet enfoiré. On le laisse tellement dans sa merde l'autre. Tout le monde s'en bat les couilles. Ok. À quel moment les mecs ils se sont dit on va aller combattre un mob de glace avec une armure de feu quoi. De toute façon c'est pas ça qui. J'ai déjà plus de potions, il y a plus de puits quoi.
Ah putain, ça met un coup de queue, tiens, je viens de découvrir un truc. Oh là là, il fallait pas compter sur moi. Hein. Quand il gratte au sol, en fait, ça met un coup de queue aussi au passage. Il tape sa queue par terre. Le double tape. Elle a que. Alors. Je suis que la taper depuis tout à l'heure là. Putain, il lâche pas le cul. Ouais, je perds le raise. Oh, j'essaye de l'occuper, mais. Allez, la vodka. Ah, je pensais être assez loin. Je pensais pas que ça irait aussi loin son truc. Allez, encore 3 potions. Il est à terre. Ah non, mais il est même pas à terre en plus. Non, il a dû casser un morceau, mais. Faut arrêter de mourir, messieurs là. Non, moi je continue, je suis un vrai rebelle. Ah, j'ai fait trop tôt. Ouais, là j'ai roulé beaucoup trop tôt. C'est parti. Moi je reste des mecs parce que j'ai plus de vie. Train 15%. Ah merde dessus. Voilà, on est en danger. Moi ouais, je sers plus rien à part reste. De toute façon on peut plus raise. Il est fatigué. On bouffe, ça prendra, on va essayer de faire la queue. Putain, il est pas tombé hein. Ah la vache. De stamina, j'ai plus rien. Il est au bout de sa vie. Ah là là, GG, je suis alors, vraiment. Avec son 1 point de vie, quoi. Il résiste jusqu'au bout. Ah, c'est maintenant. Que... On a chargé. Non. Ah là 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 là. Ah, du coup t'as utilisé son raise. Ouais. On va attendre qu'il revienne. Ouais mais le problème c'est que quand on est loin il fait ça Dieu. Non non mais il le fait qu'une fois. Ouais, il se barre, c'est bon. Tu peux aller raise. On va faire des doubles taps. Ouais, attention. Attends, non, je l'ai pas fait. Hop, 70. L'autre s'en bat les couilles. Je vais faire partir. Voilà, 65. Et ben, je crois qu'on a fait tomber un truc, non, hein, bon, j'ai rien ramassé.
Ouais, j'ai une boule bleue là, tiens. Ici. Où ça? Ici. Moi j'ai rien. Non, j'ai rien. Allez, on continue. J'ai pas vu une fusée. J'ai pu voir une fusée. Non. Ah, il est là-bas, il est là-bas, il est à droite. Ok. Comme tout à l'heure en fait. Il a juste bougé à côté. On prend le jump qui est là. Ah mais merde. Le jump qui est mort. Attention le coup de queue. T'es sérieux? Que... Ouh. C'était plus que limite. Hein. Oh putain. Ah merde, j'ai cru qu'il est sur nous, en fait j'aurais pu le raise. Ah merde. On est presque en danger. Oh what, j'ai pris quoi là? J'étais en dessous de ses fesses et je me suis pris la. Je me suis pris la queue quoi. Merde. Ah putain, j'ai pris deux fois quoi. Triple tap. Wow. Wow, ces 360 ils sont juste dégueulasses quoi. Ah putain, je pourrais pas. Fin 16, vite, faut vite. Ah putain, il est fatigué. Putain. Ah non, danger. Au fil à plus. Ah, on a pété une jambe. Il y a tout un autre truc, je sais pas quoi, mais. La queue, je suis dessus depuis tout à l'heure. Ah, ça bien y est, joué. Putain, la vache. Oh la vache, au moment où j'étais en train de ranger mon arme. J'ai plus de vie. Je suis dead. Dead over dead. I'm dead over dead. C'est toi, toi. Tu vois ce que tu fais, je peux pas le faire moi. En fait, je mets juste un coup. C'est pour ça que je peux le faire. Si je mets plusieurs coups, je le mets pas. Hein. Mais moi, j'ai même un coup, c'est. Il est super long. Non, non. Il est vraiment long. Hein. Je peux mettre un coup de hache quand je fais changer la hache. Donc, un coup, normalement, tu peux aussi le mettre. Il a ramassé tout le monde. Non, pas bon. C'est vrai qu'on attend le bon moment pour taper. Oh non, j'étais en train de rouler.
Oh, il m'a troll là. Allez, votre capom. Le vodka tout à l'heure il se balade. Je sais pas si c'est peut-être sa strat aussi de. Il attend qu'il fuit, je sais pas. Est-ce qu'il fuit tout seul, ça aussi? Bah c'est ça, si on lui fait rien, est-ce qu'il va fuir ou est-ce qu'il s'en bat les couilles royales? Oh putain. Allez, c'est maintenant. Vas-y, fais ça. Je veux pas mourir, s'il te plaît. Apparemment non. Vous l'avez bien mis là déjà. Ah, je déteste ce truc. C'est pris l'autre ou pas? Il est où? Je vois pas. Il est là. Non, il est à côté de toi. Je sens vous esquivez tous les deux. Ouais, sauf que c'est un peu chaud parce que j'ai plus de stamina là, j'attends un peu. Attends un moment. Non! J'étais à côté de lui, j'étais pas derrière là. Pas très bien. T'as pris quoi en lanterne? Ah, j'ai. Pourquoi je pouvais plus. J'étais full stamina, j'ai appuyé 200 fois sur ma touche, ça a pas marché. J'ai pris quoi comme lanterne? Celle de feu. Celle qui fait une boule de feu et qui augmente la vitesse d'attaque. D'accord. Oula, il s'est pris le mandal là. Ah oui. En même temps, quand t'es en mode danger, le boss fait plus de dégâts donc. En plus. Ah, il a encore des potions le vodka là. Bah, il s'est touché avec les quêtes. Bon, après, on était tous en vie, puis maintenant il se réveille. Et le problème, c'est qu'il n'y en a aucun de nous qui le stun le boss. Il est jamais bump ou quoi, tu vois. Ouais. Ça sent la défaite. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il est prêt de mourir en plus le boss, tu vois. Donne pas l'impression que boss. Ouais, je sais pas s'il est prêt de mourir, mais on lui a quand même fait pas mal de dégâts. On va essayer de se renseigner sur quelles sont les conditions pour qu'un boss fuit. Bah écoute, je peux voir ça. Est-ce que c'est au bout d'un certaine quantité de dégâts? Est-ce que c'est après un certain temps? Ah, il est mort, ça y est. Il est mouru. Donc je marque Dauntless quand est-ce qu'un boss fuit et on me dit, savez-vous distinguer un fruit d'un légume? Ça marche bien Google, dis donc. Je trouve que Google est au point aujourd'hui. Je pense que tu as gagné le droit de le tenter en anglais. Mais c'est ce que je viens de faire. Je trouve pas là comme ça. Je trouve pas là comme ça vite fait. Bon, est-ce qu'on se le retente? On se le retente à deux. On peut tenter à deux si tu veux. Au moins pour apprendre quoi. Attends, je vais crafter un peu du stuff de Pangar quand même.
Alors, Tu pouvais upgrader un peu de trucs. moi, ma Bloodfire, je peux l'augmenter. Avoir une Bloodfire plus 5. Ça me bouffe un paquet de compos. Je sais pas si c'est la Ouais, peine. plus 5. Est-ce que je me ferais pas plutôt une autre arme à la place? Le quatrième hit fait 150 damage en plus. Le cinquième hit. Oh, ah, eu. Le buff de la masse, le cinquième hit fait 100% de dégâts stagger en plus, mais vas-y, 5 hits d'affilée quoi. Ouais, je vais lui passer ça. Ça m'a bien fait rigoler. Déjà, celui de la hache, c'est 4 hits d'affilée. Faut le sortir. Alors, est-ce que je me fais une masse comme ça? Je fais joujou avec toi, on se met tous les deux à la masse. Comme tu sens. Bah écoute, mais si tu mets la masse, au moins tu pourras me dire un petit peu ce que t'en penses. Et voir si t'as peut-être des trucs à me Alors, conseiller. niveau compo, ça va pour la masse, j'ai largement préféré. Et du coup, à 320, c'est ça? Non, 310. Ah, je peux pas l'upgrade. Prendre la masse pour le fun. Je suis en train de up en boucle tout mon stuff Frostback là. Voilà. Voilà du gros stuff, c'est ça qu'on veut. 10 shields, grande 10 shields, ça c'est bien ça. Le plastron il est bien, les deux buffs sont bien. De Pangar? Ouais. Ouais, je trouve, carrément. Le stagger damage et le shield, c'est vraiment Ça y est, j'ai pétissant. fini ma quête. Où est-ce qu'on la rend? Je veux la prochaine, qui va peut-être me donner le mode héroïque. Pour me faire éclater encore plus fort. On s'en sort tellement bien déjà en normal, je vous dis, ce serait dommage de rater l'héroïque. Clairement, franchement, on raterait quelque chose, moi je pense. Alors attends un peu. Eye in the dark. Oh, je suis à Ah, c'est Shroud. 346. C'est, j'ai la quête pour Shroud. 346, je suis. Et Radiant. Et Reza Kiri aussi. Ouais, je vais payer tout de suite. On va attendre un petit peu, hein. Ah oui, donc. Ah, d'accord. Grand effet, ça m'a débloqué le mode héroïque. Là, Donc je suis à là, combien là? je peux faire les mêmes mobs Je suis à qu'on 349! a. Comme moi. Ouais, je crois que c'est fait exprès, enfin c'est calculé. Les paliers sont les mêmes pour tout le monde. Donc on a dit Frostback. Ça m'aura coûté cher en. Ouais, ça coûte un peu cher pour de tout monter là. En Tu Arconite là. me dis quand t'es prêt. Bah écoute, je vais juste rendre la quête parce que normalement, là, si je mets ça et ça. 358 et 352, voilà. Je vais rendre la quête. Du coup, je lance Frostback en héroïque. Attends, je rends d'abord et ensuite tu lances Frostback en normal, faible, malade et handicapé. Voilà, donc Shroud et t'as dit quoi? Rezakiri. Tu me dis quand c'est bon. Ah bah c'est bon. Donc Frostback normal en privé. Allez, donc là, c'est petite session de training. Voilà, on essaie d'apprendre un peu les trucs. Je pense qu'il faut qu'on apprenne tous les deux à Stan. Hein. Peu importe l'arme que tu prends. Hein. Ouais, en fait, du coup, j'ai pas coloré mon stuff. Je vais me faire un petit skin aussi. Vas-y, prends ton temps, je suis Non, bah réactif tant avec pis, hein, toi. tu peux pas le faire là, Ah je crois. Bon, je suis pas sûr. Hein. Faire... Non, tu peux non, pas. tu veux pas. Les touristes. Donc j'ai. Attends, j'ai pris la masse là. Oui, c'est ça. T'as une masse, c'est un Ouais, c'est Emberman. un hammer. C'est le Emberman ou le. Ouais, c'est le nouveau là. Le Blood, je Le sais pas quoi. Bloodfire, ouais. Bloodfire? Mais toi, t'as pas celui-là? Ah Ah non, si, t'as mais un autre toi. mon Elion est mieux encore. Ah oui, d'accord. Enfin, j'ai un Elion à 324. Ah, ouais, ok.
Moi, il a 310 là. Allez, c'est good pour moi. Ouais, je suis en loqué. Ouais. C'est toi qu'on attend. Toujours le même, quoi. Toujours le même. Et alors qu'on a 6 joueurs. On est là pour comprendre le jeu. Hein. On est là pour comprendre comment ce fucking boss marche. Ah, t'as pas allumé ta lumière là. On voit pas bien ton joli minois sur le stream. Tu es tout dans le dark. Toi t'as regardé la vidéo donc tu sais à peu près comment faut faire. Ouais, c'est toujours pareil, il faut taper au bon moment. Genre, c'est trop de la frime là, j'aime pas trop ça. Mais alors, t'as vu un peu? Et encore, je trouve que la masse est la moins stylée. Hein. Ah, attends, ah si, j'aime bien moi. Putain, je vois. Ah oui, en plus, faut charger. Oh là là, c'est mon drame, je vais pas jouer la masse. Ok. Attends, parce que du coup. Ah non, c'est pas ça. Putain de bouc! Je vais pas les défoncer. Pas. Donc en gros, t'as le Hammer Gem, c'est bon, tu l'as? Ouais, non, mais je l'ai tous à peu près. En fait, au tout début du jeu, je jouais que avec le Hammer et après j'ai changé. Donc j'ai des restes. Alors sur Pangar, c'est chaud parce que le combo où tu vas vers l'avant, donc mais que des coups verticaux qui sont les seuls qui peuvent taper la queue et la tête. Et pour les pattes, il faut faire le combo, tu vas pas vers l'avant, tu tournes sur place. Ouais, avec faut taper les deux tapes. Standard. Il est toujours au même endroit. Il squatte là. Hein. Il nous attend, bien sagement. Alors on se met loin, allez, bonne chance. Il attend sur la petite fessée. Il va te charger. Ou là au moins. Là ça va être pour moi je pense, non? J'ai eu peur, je l'ai pas tenté. Allez. Bon, clairement, on lui pètera pas la queue. Ah non, là, faut trop espérer. Wouhou! Alors là, j'ai mis un coup, mais ça l'a touché, mais ça passe tellement. Bah. Ah putain, j'avais plus stamina, je me disais, mais merde, pourquoi ça? Quel con. Ouais, alors le gros problème que j'ai avec ce. Avec cette arme, c'est que je suis tout le temps out of stamina. Ouais, ok, donc je peux être qu'un coup. Oh ta mère. Bah ça va, écoute. Allez, viens là. Viens des. Ah non, deux coups tu peux pas. Oh. Un coup tu peux, deux coups tu peux pas. Moi oh, j'ai tout pris là. Tu vois là, je pensais qu'il allait faire la roulade, mais. Non, non, ça se voit. La roulade il met plus de temps à charger en fait. Il me fout derrière les trucs là. Donc, j'arrive pas trop à le taper. C'est parti!
Ouais, c'est ça, en fait, tu viens, tu mets un coup. Et après, tu te barres. Ouais. Alors. Oh non! Mauvaise idée. Allez, viens là. Ramène ta gueule. Bon, ça, non. Ah merde putain, j'ai eu la petite pente là pour aller dans la... Ça m'a complètement mis dedans. Ah là, je me suis repris dans la gueule. Il me fait baiser avec la pente. Ouais ouais, vas-y, barre ta main, c'est de la merde cette pente. Et au milieu, tout fini. Charge. Non, c'est plus que là. Ah, je prends un gros coup de queue. Ah non, c'est bon. Vite! C'est maintenant qu'il faut tout donner! Putain, j'ai loupé, quel con. Oh, j'ai double loupé. J'ai triple loupé. Oh, bah, j'ai eu l'occasion de lui mettre 4 coups. J'en ai réussi un. Je l'ai tous mis à côté. Ah, putain, il est drôle à faire ça. Quoi. Bon, que j'apprenne un coup et je me casse. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, okay. Ah putain, j'ai essayé le double... Ouais. Le jump là, ça n'a pas marché. J'ai dû le faire un poil trop tard, je pense. Je vais peut-être utiliser des potions, tu vois. Ou c'était Bolzy. Non! Ah là là, je vais lui mettre un deuxième coup. En me disant peut-être. C'est l'histoire de ma vie, ça. Trop greedy. Ah, oh, je me casse la gueule en bas, toi. Ah non. Putain, je vois rien. Faut que je bouge pas, j'ai le truc du cœur et je l'ai trouvé. On va prendre une potion ou quelque chose, non? J'ai plus de potion. Ouais, bah enfin, si tu bouges pas là. À un moment, ça va mal se passer, je pense, non? Oh non, le deuxième coup de trop. Ah, là, je suis... on va le placer, hein. Non, mais non, mais t'es sérieux, hein? C'est bon, je suis bien. Ah bah, je suis mort. J'allais chercher du heal. Il m'a envoyé un vieux projectile dans le dos là. Et tu me raise ou. Je sais pas. Je pense qu'il va pas trop me laisser presse. Putain. Oh là là. C'est bon. T'es couvert là. Il est fatigué et tout. Faut tout faire ici. Comme d'hab, hein. Alors. Il fait cette attaque quand les ennemis sont trop loin. Je
Je suis à portée de sa queue sans déconner. Non, non, c'est pas forcément quand ils sont trop loin. Hein. Dans la vidéo que j'ai regardé, il disait c'est quand ils sont trop loin. Oh, mais on n'y voit rien. Oh, mais j'y vois rien, vas-y, ça me saoule. On recule, hein. Parce que là, dans ce coin, avec les arbres, les glaçons, les trucs, les machins. Les arbres c'est très mal foutu hein, quand ils sont pétés ils feraient mieux disparaître parce que là c'est juste relou quoi. Mais non, mais pourquoi il a tiré? J'étais en train de taper, il est con lui. Recule, recule, va au milieu. Va au milieu. C'est sur la roulade. Prends l'huile. Enfin, je vais en prendre un d'ailleurs. Il en reste. Je le stun. Ah, je suis juste à l'autre bout du monde. Donc je ne lui mettrai aucun coup. La queue. Non. Je suis trop près. Putain, deux. Ah, il se barre. Alors, est-ce qu'il reste du heal là? Ouais. Tu veux mettre un petit pylône ou pas? J'en prends un. Non, 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 ça va. C'est du training, on crame pas de compo. Hein, c'est... Allez. Alors est-ce qu'il est parti au même endroit que d'habitude? Bah tu dis va là-bas. Là je le vois pas non. Ah non il est pas là. Ça va falloir chercher. N'importe quoi. Ah bah il est juste là. Ah, t'as une petite fusée parce que je suis parti à l'autre bout. Ouais il est lancé. Hein. J'arrive. Mon perso il a essayé de monter un truc, il s'est cassé la gueule. J'en suis à ce point là quoi. Ah mais il y a du minerai en plus ici. Ah j'ai pas vu. Il y a 3 minerais C'est quoi? Phoenix Opal. Oh non, je suis en dessous de lui. Allez, putain, t'es sérieux. Merci. Allez, on se concentre. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va tirer loin. Wouah! Oh là là, le coup de queue qui est parti dans tous les sens. Non! Oh l'enculé, il m'a fait l'enchaînement. C'est risqué. Ah, c'est bon, il est essoufflé. Merci. Je voulais faire gaffe parce que j'ai plus de vie et plus de potions. Putain, mais c'est trop chiant son truc là. C'est, j'arrive pas à l'esquiver quoi, c'est vraiment, il le fait au pif quoi. Il
Attention, coup de queue. Non, c'est une roulade. Du coup, j'ai trop anticipé. Il faut que j'aille prendre de l'huile là parce que. Non! Je pensais qu'il était stun. Je vais prendre de l'huile hein. Vas-y. Je crois qu'il fasse pas son coup avant. Oh la vache. Non, pourquoi je fais ça? J'ai pris deux coups, j'ai pris. J'ai utilisé ma dernière potion. Oh putain, non, mais là j'étais en roulade. Une vidéo à l'appui. Ah non, mais là, double vidéo à l'appui là. Il se fout de ma gueule. Donnez-moi le goal line detector quoi. Ouais, tu vois, j'essaie de prendre à taper moins. Un coup ou deux. Mais vas-y, putain, c'est complètement bugué là. Voilà, faut pas y aller. Oh le. Attends. J'ai mis trois coups dans le menton quoi. Non. Pas à ce moment-là. Oh la vache. On voit rien à la stun là. Ça va pas tarder, je pense. Hein. Voilà. Ah non, il est pas stun. Ah oh, putain, il est pas stun, quel con. Bon bah je raise hein. Putain j'arrive. Je lise tellement mal. Olé. Putain mais je comprends pas hein. J'appuie sur la touche et il veut pas rouler hein. Faut tirer. Oh putain c'est bon. Ok, je suis pas mort, je m'en vais pourquoi. Ah bah tiens. Là t'es... Ah merde, putain, juste au moment où ça passe en danger. C'est juste de partir loin, je vais. Je vais raise. C'est moi, il est loin. Ah non, je suis pas raise, d'accord. Ah, tu l'as utilisé déjà. Ouais. Oh la queue, putain. Eh ouais. Le retour de queue. Bon, un coup, faut se barrer. Un coup, faut se barrer. Un coup, faut se barrer. C'est pas la même qu'Emberman. Emberman, je le trouve facile dans sa technique. Une fois que tu sais le bump, c'est fini. Il y a beaucoup d'occasions de le bump. Là, lui, tu le bump difficilement. Les erreurs coûtent très très cher. Et ouais. Et le placement aussi. Hein. Le placement, c'est vraiment pas évident. Comme il a la tête et la queue qui sont en l'air. Ouais, ça c'est chiant en fait. Suivant les armes. C'est typiquement le boss que j'ai envie de faire avec des épées et pas avec des masses, tu vois. Bah, disons truc avec la masse, t'es sans arrêt obligé de faire un jump. Ouais. Un hammer jump, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce t'en dis? Bon, on peut le retenter en groupe, là, je pense, du coup. Bah, écoute-toi. Hein. On a un petit peu vu comment ça se passait. Je vais reprendre ma petite épée. Parce que, du coup, on avait pas trop de dégâts. Ouais. Là. La masse, non, fait pas des masses, la masse mais... ça fait assez peu de dégâts. Hein. Ouais, ça fait que du stagger. Ça met des grosses tartes, mais. Ah, mais ça fait que du stagger en fait. Ouais. Non pas que mais. Non pas que mais ça fait quasi la moitié de stagger donc, du coup. C'est des dégâts inutiles entre guillemets pour tuer le boss quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc là t'as groupé avec plusieurs? Ouais.
bah allez. Donc tu restes sur la masse? Non, non, je prends une épée. Du coup. Ah d'accord. Faut que je sois sur la masse. Effectivement. L'épée ou la hache? Ouais, t'as pris une sorte. Non, j'ai pris une épée là. Ok. L'épée, c'est la vie. Donc toujours destructive avec un staff feu. Et... ah, du staff, non les... À gauche, c'est quoi là ce staff? Je connais pas. Ce serait la guêpe en héroïque C'est la guêpe, je pensais. Ah, c'est mon destructif, il change son stuff. Au final, on n'a même pas cassé de partie. L'autre, on a dû casser quoi? Une partie, deux parties? Je sais pas pour en garde. Bah, une, je pense. Hein. On lui a fait deux ou trois stuns. Bah avec deux masses, ouais. Et ouais, on a dû lui péter une partie. Bah oui, à la fin, je crois que tu lui as tombé la tête. Ouais, la queue, c'est assez important. Hein. Mais en fait, c'est important juste pour la porter, parce que ça lui enlève pas son... ce skill. Hein. Il continue de donner les coups de queue, même quand ouais, il a la queue coupée. Mais ça va moins loin. Parce qu'elle est mais... un peu moins long. Mais... Ouais. Mais ça va tout aussi problématique. Quand on est pas loin du boss. Et boum. Ça claque. Ça claque mémé. Ça claque les fesses de mémé, quoi. Allez, cette fois c'est la bonne. Ah, une petite plante là-bas. Ah, ça fait... Oh, on l'a pas tombé, hein, toujours pas. Du coup, j'ai pas pris le chemin habituel, je sais pas où il est parti le boss. On est tous ensemble, d'accord. On est tous ensemble. Je risque pas de me perdre. Il est toujours à l'endroit habituel. On est parti à 25 km là. Ouais. On va attendre qu'il revienne. Hein. Est-ce qu'il est parti? Il revient. Petit. Il est reparti. Non. Oh non, je t'en roulade. Là. Ouais parce que là.
Ouais, il faut vraiment se casser parce qu'on a pas bien. Même si Baston. Oh non, mais ça me saoule ça. Bah oui, tiens. Allez, une patte en moins. Moi j'ai fait trop tôt. J'ai mis un peu ma stamina là parce que... Ouais, moi aussi. Il est fatigué, c'est parti. Alors, on prend une petite potion. Ah mais putain, je fais trop tôt. Et bim. Allez, allez, c'est parti. Alors, attends, on est où là? Non mais y'a quoi me toucher. Plus de stamina. Ouh la vache. Deux fois. J'ai le bouclier là. Heureusement j'avais le bouclier. Attendons-le. Ah putain évidemment.
Évidemment, il faiblit quand il est là-bas. Trop cher en stamina de rester dans la forêt. Ouais. Dans le... C'est vraiment tout caca. Tu dois sauter et tout, enfin c'est... C'est moi. Voilà la queue. Oh putain. Oh putain, c'est maintenant qui fait rien. J'ai cramé une potion qui rendait de la vie à tout le monde et j'ai pas mal mis de coups, mais je sais pas si ça s'est senti quoi. J'ai une petite bastos avant qu'ils partent. Quelqu'un a un rod ou. C'est vraiment pas la peine. Il y a plus, non, de... plus de jus du tout. Non. Je pense que ça passe. Il est pas là? Non, il est pas là. Hop. Alors. Ah. Il est pas comme tout à l'heure là, juste à côté. Non, je cherche s'il n'y a pas du minerai. À tout à l'heure, il y en avait par là, je crois. Non. Allez, il est là-bas. On l'a trouvé. T'as rien, le stun une fois, histoire de dire quoi. Il a stun déjà. Hein. Non mais le pardon le bump. Ah. Putain. J'arrivais pas à le toucher. Ah j'ai eu. Ça m'a coûté cher mais... Non je crois pas que je l'aurais eu. Non non je l'ai pas eu. Non j'ai vu les bulles mais... Ah non mais les bulles c'est autre chose. C'est indépendant les bulles de... Mais vas-y putain mais c'est pas possible. Oh, sérieux. T'as coupé ta putain de queue. Vas-y. J'ai cramé une boule quark parce que... Non, pas ça. Comme ça, il y a sa queue, elle a sauté. Ouais, ouais. Je l'ai pas vu. Ouais, j'ai même pas eu le temps d'arriver pour lui mettre un coup. J'ai juste mis un hammer jump et... Et c'était fini. La base. La base. C'est un bon entraînement pour apprendre à pas prendre de coups.
J'étais en plein combo. J'étais en pleine folie meurtrière. Et bon. Il se barre. Bon, là, on va peut-être mettre un petit rod. Ouais, je suis pas content. Et bim. Et boum. Et voilà. Un bon petit bâton, ça fait du bien. Un deuxième aurait été bien, mais bon. Et il est là-bas. Je me demandais s'il y avait des boulettes par contre. Non, mais juste la queue qui est tombée, c'est tout. Enfin, moi j'ai trouvé que ça en tout cas. Bon, écoute. Ouais, il y a des plantes dessus, je vais quand même les prendre. Ok, c'est tout bugué le rocher là. Quand des trucs, c'est pas au point. Hein. Ok, il est parti où là? Mais remonte petit, remonte. Et boum, le Varukuma. Toujours en plein combo. Non, mais. Vas-y, c'est la première fois que je tombe. Hein. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Bien. Ah, il a réussi à le faire tomber. Ouais. Il y en a qui. Enfin, un heureux hasard. Bon, il est juste tombé à 200 km de tout le monde, sinon ça va. Allez, un petit coup de queue gratuit. Allez, un petit violet là, qui est tombé. Très bien, je l'ai pas pris. Bon. Ça a dû me le compter, je pense. Ouais, ça ramasse tout de suite. Ça dit, je l'ai pas vu le violet. Parce que j'ai eu un rendez hey et S+. S+ pour toi? Ouais, vidéo à l'appui. Le petit alors, S+. Je regarde ça, je veux checker. S+, effectivement. Je pense qu'on peut prendre un screenshot. C'était beau. Non, j'ai pas eu d'épique. Hein. J'ai pas eu de truc épique. Moi, ouais, j'ai eu bah, le dernier truc, là, le Frozen Int Plate. Mais c'est pas ça qu'il me fallait. Je sais plus ce qu'il me faut pour. Ah, je crois que c'est le. Non, je sais plus. Bah, bon, je comprends pas qu'on loot pas les mêmes trucs. Ouais, c'est un peu con. Bah, tu me diras, bah non, je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Je ne sais point. C'est compliqué, hein. Est-ce qu'on n'irait pas voir Umberman héroïque? Umberman héroïque, il fait des trucs de plus héroïque. Je sais pas. Bah écoute, si tu veux. Hein. Moi je dis ça. Ah, Umberman héroïque, j'ai une masse pour lui. Hein. Une petite masse à 350 égales. Ah, c'est la masse de glace que t'as augmenté à fond. Ouais. Je peux encore l'augmenter d'ailleurs. Oh, je vais lui mettre un plus 5 d'enfer là, bouge pas. Ah, ça y est, je peux me faire l'épée. Cool. 110% et du stagger damage. Oh, c'est un peu dommage, l'épée est un peu pourrie. Oh la vache, elle peut monter en plus 6. Elle demande des notes de la d'arconite
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 compos différentes, dont des épiques. Pour la masse niveau 6. Ouais. Je suis en train de me faire l'épée là. Niveau 4. Je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Il manque juste le casque de Emberman et. Niveau résistance feu, Blood Fire. J'ai rien créé en fait de Blood Fire. Allez. Je suis ok. Alors attends, je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai en résistance feu là. J'ai 81, ouais, pourquoi pas. 81. Ouais, peut-être des petites bottes quand même, 71 à la fin. Allez, c'est parti. T'as 270 armor arcanite, quoi. Ah bon? Ouais, je suis ça. Ouais, c'est possible. C'est délirant. Alors, Emberman, Bloodfire, héroïque. Première fois qu'on le fait. Découverte en live. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Et mort en live, sûrement aussi. C'est possible. C'est fort possible. Peut-être se mettre le bon stuff par contre. Ah putain, c'est pareil, on peut pas l'infuser non plus. Ouais, j'aurais bien infusé. Il y a juste nous ou... Il y a juste nous. Ah d'accord. C'est un together. Together, yeah. Ouais, mais ouais. Je suis prêt. Ah bah, je suis prêt aussi. T'es en stop glace là. Je préfère ça. Il manque que le casque. J'aimerais bien le faire. Tu penses qu'on peut se le donner? Je pense qu'on peut se le faire. Ouais, ça dépend ce qu'il a de plus par rapport à l'autre. S'il fait juste des dégâts en plus, ça devrait passer. Ouais. S'il fait des attaques en plus, là, ça va être la surprise. Ah, oh, mais cette tempête là. C'est vraiment pénible. Ah, on le voit. Je l'ai vu d'en haut. Et bim. Avec ma petite épée Pangar. En fait, j'ai pris la queue de Pangar et voilà. Ça me fait une épée. En même temps, si elle est aussi efficace, ça me va. Hein. Si tu peux faire des 360 sur toi-même. Un petit tour de shooter tous les behemoths. Alors. Alors qu'est-ce qu'il fait le bourre? Il n'est pas là déjà. T'as pas dit on le voit? Ouais, de tout en haut. Quand on était. Quand tu montrais la map en entier. Si, quand tu montrais la map en entier, je l'ai vu. Il y a des trucs à ramasser là. Ah ouais? Attends. On va peut-être crever et ne pas pouvoir les garder, mais bon. C'est pas grave, ça donne un challenge comme ça. Et du coup, ça file un staff différent, non? Ça file quoi de différent en héroïque? Aucune idée, ça file peut-être plus de parts quand il meurt, ou je sais pas. J'ai pas regardé encore. Tu crois qu'ils vont nous filer une choupa choups? Oh, du Iron Fistle. Du Iron Fist. Ça dit, c'est plus ça qui manque maintenant pour avoir. Ouais, c'est l'autre. Ouais. Parce que c'est un combo au niveau bas, je crois. Je sais même pas où t'es parti d'ailleurs. Bah, je sais pas, je le trouve pas pour l'instant, donc c'est pas très grave. Côté de toi, hein. Je sens que t'as trouvé quelque chose là, je sens que t'as flairé un truc là. J'ai flairé le filon là.
C'est ça le mode héroïque, hein. Le mob est caché en fait. En fait, il est invisible. Voilà. On fait le combat avec un mob invisible. Il y a un truc là-bas. Parti vers où? Il est là. Alors je vais rester très 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 loin pour être sûr. Et je vais me mettre derrière toi. Je sors l'arme d'ici, comme ça je suis tranquille. Attention. Il y a une corne bleue? Ah non, 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 non. C'est le truc derrière. Vas-y. Attention, la charge. Go! Et voilà. Attention. Oh, ça n'a pas marché. Ouais. On va jouer un groupe. J'ai plus de charge. Hein. Ah, ok. Hop là, ouais, c'est bon. Non. C'est le bouton. De charge. Oh la vache. Là ça va être dur. Oui d'accord. Voilà, mais bah, il m'en a mis deux moi. Non. Faites ça. Putain, c'est impossible de 13. Ouais je peux pas. Bon, le truc me lâche jamais le cul quoi. Bah, en fait il faut que tu le stun hein, et que tu me raises. Oui, bah oui, bah voilà. C'est comme ça que j'ai stun, c'est bon? Mais non, je. T'as juste pas le droit de te prendre un coup en fait dans ce mode. Non! J'ai fait une roulade, putain! Où est-ce qu'il est ? Il est en feu. Je pensais pas qu'il enchaînait les deux en fait. Allez. Allez, je reste derrière toi. Il va charger. Tu vas stun, oui. Bordel. Flamme en l'air. Oh non! Putain, j'ai fait une roulade, mais un petit peu trop tôt. Non, tu pries. Oui, non! C'est pas moi! Attention les flammes en l'air. Allez, vas-y. Hop! Peu cher. Quand je l'ai eu, non? Non. Non, j'ai eu le bruit, mais pas. J'ai chaud blâmé par ce bruit. Hein. On va attendre là. À peu près, mais bon, tant pis. En fait, si t'entends pas un chien qui queen, c'est que tu l'as pas eu. Voilà. Non. Ah, il t'a eu une merde. Non, c'est les flammes. J'ai fait une roulade arrière et il y a des flammes. J'ai pas eu. Ouais, bah, je vais pas venir te reste là du coup. Tu peux, mais c'est très compliqué. Je m'énerve. Je pensais qu'il allait faire une attaque. Allez, casse-toi. Ah merde. Oh putain, tu m'arrêtes. Bah oui. Oh, le touriste.
Désolé, j'étais AFK une seconde, la seconde qu'il fallait pas. Eh bah c'est dur le mode héroïque. Non, je veux bien qu'on le refasse. Ah, tu veux le refaire? Franchement, il nous touche à toi. A mon avis, il faut augmenter le stuff à fond là. Mais on peut le refaire en effet. Non, désolé, j'ai eu un truc IRL qui m'a distrait juste une seconde. C'est celle où tu m'as raisé. donc je dis oui, je pense qu'on va vraiment le faire. Hein. Relance-le et on se le fait. Ah, il est chaud, hein. Non, on le fait. Je pense qu'on a pas assez d'armure et du coup, comme il le touchait, c'est vraiment tendax. Mais on peut le refaire. Le petit challenge de la soirée. Je pense qu'on peut peut-être essayer de cramer un peu du boule quark ou... Je vais voir combien il m'en reste. Ouais, j'en ai presque plus. Il m'en reste 8. Es-tu prêt? Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Inferno Behemoth on fire. Ok. Deal more damage. Ouais, bon, on avait remarqué. Ah merde, j'ai lancé en. Ah putain, tu peux pas annuler? J'ai lancé avec des gens. Ouais, bah on fait avec des gens. Rappelle-toi ce que c'est que de faire Wonder Mana avec des gens. Bah ouais, écoute, c'est bon. Si on tombe sur des mecs qui carry un peu, ça me va. Tu penses qu'ils vont nous carry? Razorwing Pike, c'est laquelle ça? C'est qui Razorwing? C'est l'abeille, non? Tu verras qu'il a Echo Deck ou. Echo Deck, ouais. Razorwing Pike. Ouais, c'est celle de la guêpe. Hein. Ils ont tous les deux le stuff de la guêpe, là. De l'abeille. De l'abeille, la première qu'on rencontre, quoi. Je suis pas sûr. Donc là, on va être alors, le touriste de la game. Comme d'hab, hein. Non, là, non. Il y a un moment, non. Il y a un moment. On fait le boulot aussi sur Umberman, il n'y a pas moyen. Moi, j'y arrive. On y arrive. Putain, c'est quoi ce skin? Bon, puis s'il n'y a pas la tempête et tout, on est bien là. On ne peut que gagner. Exactement. Ah, on l'a trouvé. Ouais. Il y a tout d'ailleurs, peut-être. Il est lancé, non, encore. J'y suis, hein. Pour moi, c'est ok. Allez, j'y vais. Bon, ça va te lancer le truc, donc. Fais gaffe. À l'assaut! Allez, je me mets derrière toi. Bon, là je pense que j'ai impressionné tout le monde, désolé. Ouais. Il dit c'est bon, on va se faire carry. Oh, ça se met deux fois par terre, voilà, comme ça. Ils vont dire ah non, en fait non. On va pas se faire carry en fait. Ah, j'arrive pas, vraiment. Avec les armes de corps à corps, je vois pas comment tu peux le stun. Voilà, là je l'ai eu.
sinon il va cracher ou il va. Non. Ah! Il me reste, il me reste. Il y en a un qui me reste. Ouais, il est presque stun. Putain. Non, mais j'ai pas le temps de me relever quoi, c'est. Ah, le feu. Wow! Le feu du code 0, ouais, il fait très très mal. Hein. Ah, lance flamme. Ah, ah oui. Vache. Je suis loin. Ah, tu vois, là, ça me l'a ramassé automatiquement. C'est bizarre. Ouais, pareil. Les flammes, les flammes, les flammes, les flammes. Ah, dommage. En fait, comme il dévie à cause de la montagne, là, il a bougé. À cause de la trajectoire. J'ai beaucoup mal anticipé. Attention de l'autre côté. Ah, les flammes en l'air. Ah, dommage. Ah putain, du coup, je me suis pris. Ah putain, j'avoue, les flammes m'ont fait tellement mal. En l'air. Allez, viens. Non. Ah si. Oh. Ah. T'as vu le jump tellement court que... Oh, j'ai vu. Le problème c'est qu'il avait la tête dans une flamme donc c'était un peu compliqué. Ah la vache. Qu'est-ce qu'il veut faire? Sous flamme, moi je reste derrière toi. Oh non, me dis pas que j'ai planté. Oh putain, j'ai planté. Sérieux? Ouais. T'as moyen de revenir ou? Je crois que tu peux pas revenir dans les games qui sont lancés. Jeu de merde. Oh là, je suis déception, en plus on était bien parti. Bah écoute, je vais te dire comment on en est, pour l'instant ça se passe. Du coup, c'est quoi, mon perso il crève ou il est. Ou il moi, c'est marqué As God Offline. Non, pour moi, t'es toujours là. Hein. Bon, on va voir. Hein. Je suis en train les deux de... autres, ils sont pas FK par contre. Ah non. Je suis en train de me reconnecter là. Bon, les mecs qui sont avec nous, ils sont pas, pas vraiment efficaces. Hein. Ah oui ouais. Ils font rien en fait. Hein. Je tape pas, ils esquivent un peu. Y'a que moi qui tape et qui bump. Si, il l'avait bump une ou deux fois à un moment. Ah oh, putain, j'arrive direct en ville. Ah, oh, quelle grosse daube. T'arrives en ville? Ouais.
C'est nul ça. Le mec avec sa hache. Là j'ai un gros bug. Le mec avec sa hache, il a chargé 1000 ans pour mettre un coup à 1000. Ça n'a pas l'air fou, hein. Bon. Ah, écoute, je vais monter mes armures en attendant. C'est ta kick. Génial. Alors, Bloodfire. Ouais, ils l'ont stun une fois, bon ils sont encore à terre par contre. Allez viens. On va faire ça aussi. Bon du coup j'upgrade mon stuff. Résistance feu. Tac. Le combat continue, hein. Bon ils sont morts quelques fois les mecs. On a pris le boule quark moi des fois. Je te le dire. Ouais, il est bon. Il est mort? Non. Non, il en stun, pardon. On la stun. Alors, niveau feu. Oh putain, c'est moins bien ça du coup. On vise tous la tête depuis tout à l'heure, donc on chope pas de partie hein, par contre. Ouais, bon, moi ça lui fait du dégât. Ouais, non, mais c'est pour dire. Ah, bah il s'est barré. Je vais revenir. Ok, on va le courir après. Donc il est juste allé plus loin, le boss. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Putain, j'ai plus de potions, je me suis même pas rendu compte. Bon, franchement, je fais gaffe, hein. Allez, on y va. Shroud. En plus, il reste plus qu'un jour. Oh merde, il est arrivé par là-bas. Ah, c'est con. Putain. Apparemment ça donne des nouveaux compos quand tu fais en héroïque. En normal tu peux avoir des infused weapon arcanite, des pure infused weapon arcanite. Si tu fais en héroïque, tu as des charge weapon arcanite. Donc, je pense que c'est pour encore plus améliorer ton arme. Je sais pas ce que ça fait mais. Down. Oh, je me suis fait rest full life en 2 secondes. J'ai l'impression que les mecs qui restent full life peuvent aussi te rester très très vite. Hein. Ouais, mais je crois que ça fait partie du même kit.
Tiens, d'ailleurs, je vais augmenter mon arme. Alors. Lui. Fortress. Small shield of our reading. Ah putain, c'est pas mal ça, tu peux mettre ça sur ton arme. Intéressant. Prion being staggered. C'est chiant, il me charge pas moi, donc j'ai plus le stun là. Protecting shield, ça s'en fout. Je vais mettre un petit fortress à la limite. Où est-ce que je mets le gros fortress? Non, je vais garder le gros fortress pour plus tard. Fortress, ça fait quoi au fait? Ça te met 10 de shield si t'es pas touché pendant 10 secondes. Ah, c'est ça? Coup, j'ai un plus 2 en fortress. Est-ce que je peux mettre un peu de fortress sur mon armure? Oh, je me fais jamais charger, bordel. Genre sur le home. Ah non, c'est pas le bon truc. Ah bah je vais faire ça, c'est pas mal. Ah, les deux sont bien. Augmente la période d'invincibilité pendant les dodges. Ou restore de la stamina pendant que tu dodges. Il faut faire un restore de la stamina. Oh, j'ai un paquet de buffs du coup. Là-dessus, j'ai mis quoi? J'ai rien. Si, j'ai mis un truc. Hein. Ah, si. Ça, c'est quoi? Woodfire aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas en crafter des cellules là. Et hop, 8% de chance de diviser par 2 les dégâts, j'aime. Et si je regarde un peu mon stuff, là j'ai mis. Ah, j'ai rien mis là-dessus. Ah, ça c'est pas mal ça. Flat amount of part damage. Quoi d'autre sinon? Temporary increase attack speed after dodging. Wound damage. Increase damage. Et un petit peu de stamina, ça fait toujours plaisir. Bloodstorm là. Storm. On est toujours sur le combat, hein. On prend assez peu de dégâts. En plus, on se ferait full life par l'autre coco là, donc Bon, bah, c'est mon deuxième raise là. logiquement, il va tomber. Hein.
Alors, ça sert à rien. Plus damage. Plus damage. Ça se peut être pas mal. Allez, il me charge, donc je le stun. Ça, c'est bon. Knockout. Oula. Knockout King. On suit à plus 4 là, ça fait 20% de stagger damage en plus. Et si tu dodges à travers une attaque, la prochaine attaque de ton arme, elle fait 50% de stagger en plus. C'est honnête. Du coup, je pense que c'est avec les quêtes qu'il faut que tu peux en récupérer. Alchimiste. Du coup, ouais, tu dis que tu as testé la potion là. Ouais, mais je suis pas dégâts donc avec la masse c'est même pas en rêve c'est utile. Ouais, c'est un truc à prendre avec les doubles Kama là. Je pense. Ça va être pas mal avec ça. Possible. C'est très possible. T'en refais une après ou pas? Je sais pas encore. Quelle heure il est? 23h déjà? Ouais. Non, je pense que je vais rester là. Je crois qu'on est quand même dimanche soir. Bon, alors du coup j'en lance une. J'aurais pas le temps que ça met, hein, depuis tout à l'heure là. On tape dessus, hein. Et puis tout à l'heure on tabasse. On prend pas de coups. Mais on tabasse quoi. Je pense que tu tabasses pas assez. Non, pourtant je le stun bien à chaque fois, hein. On vient de casser une partie, tiens. Ça c'est bon. Et le sabre, tac. Allez, j'en lance une moi aussi. On va espérer que j'ai un heavy de glisser avec moi qui fasse des stuns. Ah la vache. T'es fait défoncer. Là on n'arrive plus trop à le stun, il court un peu partout. Ah, bah il fuit. Il fuit. Il fuit. Bon, alors on y va, hein. On le suit. Ce combat est très très long. Je sais pas si c'est parce qu'il a gardé sa stamina de 4 joueurs. Ouais, peut-être. C'est possible. Je sais pas s'ils ajustent le niveau en plein milieu du combat. Alors nous on a 3 épées et une hache. Donc, ça a pas beaucoup stun quoi. Sauf si les mecs savent stun à l'épée. Eh bien, j'ai l'impression que personne ne sait où stun.
merde. Il a pas oublié. Ça sent la game de la loose. Ah ouais? Ouais, je sais pas, les mecs sont... font rien. Ah, il refuit hein, le boss pour nous. Ah putain, il a fui vite. Bon, les mecs, faut que mourir. Je sens que je vais live. Ça sent pas bon de ton côté. Je sens que je vais live instantanément. En tout cas, les mecs avec moi sont. J'arrive pas à le stun, hein, c'est un truc de fou. Ils sont assez cool parce qu'ils s'organisent, ils restent bien derrière moi. Ils ont compris que je tenais le boss, donc ils se mettent tous les deux derrière moi. On fait des bonnes phases. Hein. Mais alors. Ah, j'ai réussi à le stun. Bon, là, je suis mort avec, mais. En fait, j'ai fait une roulade vers lui, j'ai mis un coup au passage, et ça a fait tomber, mais ça m'a fait tomber avec. J'ai ouais. Quand même pris le coup. C'est pas évident. Voilà. Bon, vas-y, de toute façon, je m'en bats les couilles. Cette partie ne sert à rien. Il est en mode désespéré, Joka. Clairement, cette partie ne sert à rien. Ah, il m'a trouvé sur les chutes. Non. Ah, je suis loin. Il est là-bas. Je le vois. Ah, merde. Bon, je peux encore trouver la technique. J'ai l'impression qu'il faut que je charge à travers. Non. Ah, l'autre il a réussi à le faire tomber. Non, mais il me reste pas, mec, ça sert à rien. Mais vas-y, putain, j'arrive pas. Tu m'enverras le lien de ta vidéo là? Ouais. Je regarde un peu comment on fait. Quel est le sort qu'ils utilisent pour le taper sans se faire taper? Avec quoi? Avec une épée. Merde. C'est vraiment, je me suis fait mettre une grosse tarte et ça m'a pas consommé de charge de bulwark. Tu t'es pris. Ah oui, ça me l'a déjà fait aussi, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils ont des attaques spéciales qui passent au travers. Bon, et bien sur cette magnifique partie, moi je déco. Salut à tous. Donc, on a vu un petit peu le hangar. Bon, c'est un petit peu amélioré.
On l'a tué. C'est pas encore la folie, mais c'est mieux. On a tué Umberman. Et on a Evil Grizzly qui a réussi à tuer son petit Umberman en héroïque. Sans moi, la tristesse. Avec un dé, hein, bien sûr. T'as même pas un E. Un dé sur une team E. Avec que du gold et un bronze. 3 gold, un bronze. Bonne soirée à tous et à demain pour un petit peu de Diablo 3. Exactement. Non, c'est pas demain. Demain, c'est Ah non, c'est pas demain, oui, non, je suis con. Je croyais qu'on était lundi. Non, non, pas du tout lundi. Donc il doit charge armor arconite. Et charge weapon arconite. Du coup, est-ce que tu peux faire des nouvelles armes? Ou est-ce que c'est les mêmes que tu peux améliorer? Je vais dire ça tout de suite. Dès que je rentre en ville. Ah, c'est vraiment dommage que tu aies crashé parce que tu l'aurais défoncé avec nous. Je suis très triste. En tout cas, je confirme qu'il est assez facile. Je pense qu'on peut se le duoter. Ouais, sauf qu'il finit demain. Donc non. Umberman? Ouais. Moi, je crois que tu parlais de Pangar. Enfin, Pangar aussi pour le coup. Mais... Non, Pangar il reste. Ah, tu m'as pas dit que c'était Umberman qui restait et Pangar qui partait tout à l'heure? Ah, peut-être, mais je vais aller vérifier. Je sais qu'il y en a un des deux qui saute. Je me souviens plus. Bah, il me semblait que c'était. Tu m'as dit Pangar en début de stream. Ah, bah, peut-être. Eh ben non. Non, non. Ça te débloque pas d'armes supplémentaires en tout cas. Pas les armes. Hein. D'accord. Bah alors ça doit être des compos pour l'augmenter genre en plus 7, plus 8 ou je sais pas combien. Ouais peut-être, je vais voir un petit peu rapidement du côté des... Du stuff. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour crafter mon casque qui me manquait d'ailleurs? Non, Bloodfire je n'ai pas eu... Non il fallait avoir la queue. Je l'ai pas eu. Bah écoute, ça m'a rien changé. Au niveau des... Tu n'auras rien de plus. À part que j'ai eu effectivement de la charge weapon arcanite. Et ça m'a fait une très très belle jambe. C'est important. Je suis joie, je suis bonheur. C'est je important suis d'avoir des belles jambes. Exactement. Et ben voilà. Hein. Donc on a dit, tac. Donc c'est Cobalt 4 qui finit demain. Et Cobalt 4. Ah oui, c'est Pangar, ok. Donc Pangar et Gnasher, ils sautent demain. Il y en aura de nouveau. Par contre, Elion. Non pas Elion, Umberman et... Comment il s'appelle lui? Killshot, il reste pendant une semaine encore. Donc on va pouvoir se farmer le petit Umberman, je pense. Ah bah écoute, je pense que ça vaut le coup, hein. Mais il manque vraiment toujours son casque. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc Umberman, finalement, c'est le plus facile. Hein. C'est clairement le plus facile. Hein. Une fois que t'as chopé le truc de comment on le stun. Ouais, alors il faut choper le truc de comment on le stun. Dans la vidéo que je t'ai envoyée, il te montre comment stun quand il fait sa charge de loin. Donc c'est entre guillemets facile parce que tu le vois plus ou moins arriver. Ouais. Mais finalement, moi les trois quarts du temps quand je le stun, c'est quand il fait ses petits sauts très courts là. Ouais. C'est vraiment à ce moment là qu'il faut le choper parce que des charges de loin, il en fait assez peu. Hein. Tu vas le stun une fois ou deux là-dessus, mais le reste du temps, faut vraiment l'éclater. Hein. Faut l'éclater quand tu fais sa charge courte. Alors, la vidéo est là. Je te la passe. Je sais pas si tu la vois en live. Je viens de te donner le mode. Mets-la sur Discord. Ouais. Dans Dauntless, on a un petit salon exprès pour ça. Moi je dis on lui balance un petit airstrike beacon, ça va lui faire du bien. Voilà, hop là, c'est à 3,07, comme ça tu gagnes du temps. Tac. Copier l'URL à partir de cette séquence, je te la mets sur Discord. Je suis encore capable de me balader dans une vidéo. Non mais comme la vidéo fait 20 minutes, je te donne tout de suite le moment où il explique pour les 5 armes comment tu fais. Donc je te les mets dans quoi? Dans annonce?
Non, mais dans Dauntless. Où est-ce que je suis? Dauntless, pardon, net. Voilà. Parfait. Ah, sur Prangar, du coup. Alors, il le fait sur Prangar, mais il montre la technique pour stun avec toutes les armes. Ouais, ok. Ok, cool. Merci. Voilà. Je vais regarder ça, du coup. Eh ben, on se quitte pour ce soir, et demain, c'est moi. Mais je sais pas encore à quoi je joue. Je vais réfléchir dans la journée. Et mardi, ce sera moi avec Diablo 3. Voilà, on reprend la bonne vieille saison 14 Ça va, qui a Hack and commencé Slash. vendredi. Et on va éclater du mob Ça va en spammer du clic masse. gauche. Ah là, ça va pas être du down test là. Ça va être une boucherie à la souris là. Je vais faire l'amour à ma souris en live. Voilà. Et visiblement, ma femme n'approuve pas ça. Non, ça va pas l'air. Bon, allez, merci à tous. Bonne soirée à Passez une excellente tous. soirée Salut. et à la prochaine.